Korbach le terrible est de retour. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Et ce sera à la ressource de Toadette au fort de Wingo. Donc là j'ai réussi à faire donc les 70 pièces ramassées plus les 3 diamants. Et on va le refaire proprement. Comme ça la vidéo ne merde pas et je peux faire mon montage et les diffuser donc sur YouTube. Enfin quoi. En m'excusant encore une fois. C'est un niveau qui change de d'habitude là. Alors il me fait des coups de vent avec ses herbes. Donc l'objectif ici c'est de faire attention au vent parce que en fait il me fait déplacer. Et je peux pas lui tirer dessus je crois. Si je crois pas que ça marche. Donc là voilà par exemple voilà. Si je fais pas gaffe. Il m'embarque un peu partout quoi. On va activer les plateformes, comme ça on se cache un petit peu du vent. Ah quel enfoiré. Quel salaud. Objectif, cherchons les diamants. Ah, il y en a un là, parfait. Donc un. Je retiens un. Je vais activer toutes les manettes comme ça. Oh putain, la montagne. Wow. Donc du coup, objectif, faut monter. Alors, par là. Je crois pas qu'il y avait d'autres endroits où monter. Hein. Ah non, non. L'autre endroit c'est pour des pièces, on s'en fout des pièces. Donc là, on monte. Il y a un deuxième diamant là, on va le prendre. Merde, putain. Ah, le fils de... Ah. Quel espèce d'enculé quand même. Faut tout monter maintenant. Putain, mais quel bâtard. Quel petit bâtard ce mec. On remonte. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a deux diamants, hein. Deux. Je retiens parce qu'après j'ai oublié. Je n'ai pas de mur. Je suis un poisson rouge. Je vous le dis. Donc là on va faire gaffe, voilà. Donc là on peut y aller. Le diamant. Ah merde, attends, pour le diamant comment je fais maintenant? Ah oui. Non attends, je suis pas sûr de moi là. Si. Attendez. C'est bon. 3. Non! Mais quel connard! Mais putain! On a nos 3 diamants. Par contre, il a cassé les couilles. Hein. Bon, faut recommencer encore une fois. Putain, c'est pas vrai. Chier le monde. On a nos diamants, c'est le but. Donc le reste, maintenant, objectif pour suivre l'aventure. Sans se faire saucer. Ok. Donc là, on doit aller par là. Là, il faut que. Là il faut qu'il pousse avec ses ailes de mort, le... voilà, nickel. Donc là c'est fait. Non. Oh putain, je vais me faire défoncer. Là on passe par là. Là... Ah non, j'étais à 2 diamants, pas 3. Putain, mais c'est pas grave. Attends, mais comment je fais? Ah c'est bon, j'ai compris. Faut attendre qu'il vienne. Et qu'il pousse ça là. On était à 2, pardon. Là voilà, nickel. Donc là on est à 3 maintenant. Maintenant on est à 3. Yes! Là je peux pas retomber, hein, j'ai peur. Ah si, putain! On a bien nos 3 diamants, c'est bon. Hein. Ah, il m'attend? Ok. Eh ben j'arrive. Ah, maintenant faut le combattre. Let's go! Le combat fatal! Contre Ringo Starr. Let's go! Attention, qu'est-ce qu'il me fait? Ah! Plus de navets! Ah! Tom Nook se retourne dans sa tombe en voyant cette déchéance! Tiens! Attends, on en a. Viens ici! Yat! Encore! Ah merde! Il va faire quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Elle me donne un champignon, nickel! Yes! Un truc. Non, plus de navets. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, le salaud.
Merde, du coup je l'ai fait ton putain. J'ai perdu une vie. Ça va pas le faire là. Ah mais quel fils de pute. Quel petit connard. Merde, il fait du vent. Ah, c'est bon, il y a un mur, ok, je suis compris. On reste près du mur, comme ça, si jamais je glisse, on s'en fout. Par contre, j'ai plus de vie, hein. Ok, on va ramasser celui-là. Mais putain, mais s'il est à l'opposé, je peux rien faire. Mais non, mais espèce de connard. Oui. On l'a vu. Ah, bien joué. Il fait une petite indigestion, il a le ventre qui gonfle. Bon, j'ai trop navé, ça fait péter. Et là, il meurt. Parce qu'il a une bulle coincée dans le trombal. Nikia. Et Toadette explose dans une ribambelle de prout. La tête dans le flouze. Et je lui bouffe la chatte dans une pluie de pognon. Waouh! Excellent. Toadette! Excellent. On a battu Ringo, merde. Et on a terminé ce stage, les amis. Et c'est fini, ok. Et bah ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors malheureusement j'ai dû refaire le niveau, je suis désolé. Mais bon, au moins vous avez donc pu voir quand même la suite sans bug cette fois-ci. C'est un peu dommage parce que j'avais pas encore découvert donc dans la première vidéo que j'avais faite. Donc c'était vraiment du full découverte alors que là je l'avais déjà fait. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pour sauver les meubles. Ça évite quand même de perdre la session intégrale, ce qui aurait été fort dommage je trouve. Alors que là on a quand même le jeu en intégralité donc bon. Alors je vous conseille vivement dès à présent, si vous souhaitez faire le jeu en intégralité à 100%, de faire les petites missions secondaires, ça vous évitera de revenir dessus plus tard. Après vous pouvez très bien le faire après, plus tard, il n'y a aucun souci. Et comme vous avez pu le constater, s'il vous manque des diamants, vous pouvez juste chercher celui qui vous manque et aller directement à l'étoile. Ou alors faire la mission secondaire sans forcément chercher les diamants et aller à l'étoile, ça va aussi plus vite. En tout cas voilà, il y a donc 3 épisodes en tout, plus un bonus, plus un DLC. Donc ce jeu est quand même assez riche en contenu. Malgré sa courte durée de vie de jeu, à peu près 6 à 8 heures, ce qui est pas énorme, mais ce qui est, je vais dire, correct quand même. Donc n'hésitez surtout pas, franchement, c'est un jeu plutôt sympathique et plaisant. Voilà. Donc vous pouvez dès à présent me rejoindre sur Twitch, donc Link le Roi, avec l'option programme, vous aurez donc toutes les vidéos, je donnerai donc les heures, dates de sortie, je vais essayer de faire le plus tôt possible, et puis vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Link et Chumik, où je diffuse en avant-première les infos relatives à la chaîne. Et bien sûr, vous abonner à notre chaîne principale YouTube, Link et Chmimic. Je vous dis merci à tous, des bisous, et à bientôt pour la suite de Toad, Treasure Tracker. Bye bye! Donc vous pouvez dès à présent me suivre sur Twitch pour les lives, et également sur YouTube, Link et Chmimic, pour la rediff donc, de ces lives, qui sera fait avec du montage. Puisque YouTube, on essaie de faire des contenus assez réguliers et de manière propre. Et des vidéos pas trop longues. Donc là, cette vidéo live, donc elles seront faites en intégralité. Elles seront coupées au montage pour YouTube, mes chers amis. Donc merci encore à tous ceux qui me suivent sur Twitch. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux. J'ai des vidéos qui commencent à avoir pas mal de vues. Et j'ai eu quelques dons. Donc merci encore à tous. Peu importe la somme et peu importe que vous me donniez de l'argent ou non. Merci quand même parce que vous me supportez, vous me soutenez, ça fait plaisir. Et on commence à être de plus en plus vu sur YouTube. On a quand même 103 abonnés à l'heure où je vous parle, ce qui est pas rien, ce qui est plutôt un travail difficile et de longue haleine. Ça va faire maintenant 4 ans qu'on a la chaîne. On arrive bientôt à la 500e vidéo, les amis, quand même, hein, sur YouTube. Incroyable! À raison d'une vidéo par jour en semaine à 20h ou à 13h, selon que ce soit long play ou let's play, ou découverte. Et on a de nouveau à faire ce putain de coreback de ces morts! On a quand même sauvé Toadette dans l'épisode 1. Et là maintenant ce Korbach m'en veut à moi. Et on va incarner Toadette. Captain Toad, Treasure Tracker 2. Là on joue Toadette. Le Captain Toad manque à la paire. Versant vers cette île. Donc nouveau livre, volume 2, chapitre 1, c'est parti. Le comment dire, le mode de jeu reste le même.
On doit juste chercher des diamants, on incarne juste Toadette. Il y a des nouveaux persos et des nouveaux modes de jeu qui sont assez sympas et drôles. Après, les ennemis restent plus ou moins les mêmes quand même, hein. Ça change pas beaucoup. Vas-y, viens, pigeon de mort! Fils de pute! Connard, merde! J'ai glissé, je voulais pas! Putain! On va le refaire celui-là, je pense. Parce qu'en fait, je voulais pas faire ça. J'ai glissé, chef! Putain, saloperie de merde, de pigeon de mort! Nique ta merde! C'est pas du tout ce que je voulais, j'ai raté toute la partie en haut, fais chier! Merde! On se casse! C'est pas du tout ce que je voulais faire, j'ai raté trois quarts du jeu là. Ah oui, lui, il faut qu'il fonce dans le mur. Y'a ici, grosse pute! Je sais plus comment il s'appelle ces connards là. J'ai plus le nom de ces trous du cul en tête là. Merde! Il est si grosse pute. Bam! Il a pété le mur, c'est le principal. Et il m'a cassé les couilles. Et on va devoir le refaire parce qu'en fait j'ai raté toute la partie haute, fait chier. C'était pas prévu. J'ai glissé, putain. Here! Tiens, connard! Masse-casse de merde. Trou du cul. Qui servent à rien ces masques, putain. Casse les couilles ces masques de merde. J'ai quand même raté toute une partie là, ça me fait chier. Il y avait tout un truc à faire que j'ai raté là. Putain! Attendez, on peut remonter. Non, je peux pas remonter. Attendez, attendez. S'il y a des trucs à faire. Mais je crois que là, au niveau des diamants, là, j'ai chié dans la colle totale. Genre un truc de ouf quoi. C'est vraiment ridicule. Il faudra qu'on y retourne. Putain, vous avez vu ça? Ah mais je peux descendre je crois. Attends. Ah je peux pas remonter après, c'est ça le truc. Attends. Ah je sais plus. Mais je crois qu'il faut que je saute après. J'ai pas fini en fait. Attendez. On va une fois aller là. Ramasser ces pièces de mort. Ah j'ai chié dans le frog, ça me saoule. Je vais le refaire. C'est la partie 1 là, je l'ai chié là. Dégueulasse quoi. Vraiment joué aussi mal que ça quoi. Dégueulasse. Ah mais ta mère. Mais c'est pas vrai. Oh, oh c'est pas grave, je recommence d'en haut c'est ça. Parfait. Ouais parfait ouais. Parce que du coup je vais pouvoir changer la... ça là. Casse les couilles ces pigeons de merde. Dégage. Voilà. Non. Merde. Putain. Mais c'est pas... Oh j'ai chié, c'est pas possible. Putain mais... Putain mais tu peux pas buter ce connard de pigeon de mort là. Dégage. C'est les couilles. Ah c'est bon. Robert, mais il est tombé. Mais quel trou du cul lui aussi. Oh putain. J'ai plus le nom de ces connards là. J'ai plus en tête le nom de ces trous de balles, je sais plus. Vraiment je sais plus. Ça m'intéresse de savoir, je sais vraiment plus le nom de ces connards là. Ils en ont de merde de toute façon, c'est ça doit être trou de ballos numéro 2. Attends. Il y a un truc à faire, non? Ah voilà. C'est ça que je voulais faire, putain. Voilà. Donc là c'est bon. Maintenant on peut descendre. Bah les couilles. Ah salaud. Par contre attends, je crois que j'ai nouveau raté un truc. Attends. C'est même sûr. Merde, attends. J'ai raté un truc, c'est sûr. Dégage. On peut pas remonter hein. Ah putain. J'ai raté un truc, c'est sûr. Attends. Il y a un autre truc à faire. Il y a un diamant par là, je suis sûr, putain. On y retournera au pire, c'est pas grave. J'ai raté plein de trucs là. On recommence, on s'en bat les steaks. Donc là il est. Voilà. Ah! Vas-y, viens ici, connard! Merde. Ouais. Super. Mais non! D'accord. C'est toi le patron. Merde! Putain! Il m'a cassé les couilles celui-là aussi, mais c'est pas vrai, trous du cul, putain. On a vraiment affaire à des trous du cul. On se croirait au travail. Bon, plus maintenant, même. Putain. Casser les couilles, c'est incroyable. Bordel.
Ah mais là je vais me faire buter aussi par ces pigeons de merde là. Ils vont me casser des... Attends, merde. Attends, parce que si je tourne cette merde dans ce sens, ça fait quoi? Ça fait de la merde. Ça fait rien du tout. C'est nul à chier. Attends. Mais cassez-vous, vous me faites chier. Merde. Putain, c'est bon. Oh, vous me faites chier, sérieux. Attends. Oui, c'est bon. Ah, on a quand même raté un diamant. Merde. Putain. On a quand même raté un au final. Ah ouais, en plus... Oui, bah c'était celui d'au-dessus que je disais tout à l'heure, là. Ouais, c'est ça. Ok, on le refait. On le refait vite fait. C'est le diamant qui me manquait que j'ai dit tout à l'heure. Bordel. Champignon d'or obtenu, non. Donc on va le chercher. En même temps, on cherche le dernier diamant. On peut se permettre de le faire. On le refait. Il est pas long, il faut juste que je cherche le diamant de merde. C'est le 2... Ouais. Je vois pas où est le diamant, mais par contre je vois comment faire pour le champignon d'or. Ah, donc attends. Faut que j'aille là où c'est bleu là. Oui, c'est bon. Ok. Je l'ai. Voilà, c'est bon. Hop, tac. Ok, c'est bon. Allez, dégage. Casse-toi. Casse-toi, boy. Attends. Bon. Attends. Parce que du coup, le... Voilà. Parf. Non. Ah si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ah mais alors attends, parce que du coup, non, le champignon d'or, je l'ai pas. Donc non. C'est pas bon. Ah, mais j'ai juste à descendre. Attends. Ah non, ça marche pas comme ça en fait. Ah merde. Attends. Attends, donc si je fais ça, je tombe dans le vide. On est d'accord. Et si je fais ça... Ah non, si je fais ça, je tombe pas dans le vide, c'est bon. C'est bon. Ah merde, si, putain, merde. Ta mère! Ah, du coup, champignon d'or, je suis toujours pas. Merde. On va aller le chercher, ce connard. Je suis désolé. Je m'en bats les couilles. Putain, elle fait chier là. Il m'a cassé les couilles. Putain, ils m'ont cassé les couilles, ces pigeons de mort là. Qu'est-ce qu'ils me font chier ceux-là? On va aller chercher le champignon de merde là. Oh, et puis merde! Champignon ta mère, vas-y on s'en fout. Champignon d'or, nique ta mère. Voilà. Contenu fait pour les enfants bien sûr. Oui, c'est pardon. Je dis pas du tout de gros mots dans la vie. Je suis quelqu'un de très, très poli. Voilà. La patrouille des mastos souches. J'aime quand ça claque. J'aime quand c'est trop couille. Master Chef. Ah putain, c'est quoi ça encore? Ça pue la merde. Voilà. Encore une fois, je suis poli, ne vous inquiétez pas. Alors attends, il faut que je dise. Attends, je sais plus. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, il faut que je monte sur ces souches de merde. Voilà. Nickel! Donc là, on peut passer. Ouais, bah de toute façon, je fais. Ok. Donc là, déjà, il y a des souches de mort. Merde, j'ai jeté la clé, mais. Et j'ai vraiment le chic pour faire de la merde. Attends, je vais en faire quoi cette clé de schiste là? Je sais rien. Déjà, ok, c'est bon. Y'a quoi que j'ai compris? Mais du coup, il faut que je... D'accord. Attends. Déjà, cet angle de caméra il est dégueulasse. N'est-ce pas? Je vais me faire poursuivre par une taupe de mort. Attends, je dois aller où? Ah, la clé est là, ok. Et du coup? Du coup, super. Du coup, j'en sais rien! D'accord! Attends. Je sais même pas ce que je dois faire de cette merde. Attends, butez-moi cette taupe de merde. Casse-toi, salope! Ah, ça marche pas? Elle me donne quoi? Un diamant, ok. Parfait. Attends. Attends, mais merde. Il y a un truc à faire avec la... On a avec rien du tout, en fait. Faut que j'en fasse quoi de cette clé de mort? J'en sais rien. Ah, attends. Non, y a rien à faire, en fait. Putain, mais je me souviens plus. Rien. Je suis perdu, là. Bordel! Attends. Non, mais c'est bon en fait, j'ai compris. Attends. Il faut que je la jette. Ah oui, il faut que je la claque ici, je crois. Attends. Voilà. Et après, du coup, voilà. Je crois que c'est ça. Du coup, il faut que je monte. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. J'ai compris. Il faut que je bute cette plante de schiste. N'est-ce pas? Merde!
Qu'est-ce que j'ai fait? Bah du caca, comme d'hab. Putain! Angle de merde de caméra là, on voit rien. Ah, attends. Bah, déjà on va aller chercher le diamant. Voilà. Bonjour. Très bien. Maintenant il faut que je monte sur ce P à la con. Pour activer cette souche de mort. Et on va sauter sur le... Hein, merde, raté. J'ai fait du caca dans les raviolis. D'accord. Une fraise. C'était de la... J'ai fait vraiment de la merde dans cette... T'as mais... Je peux faire plus de la merde que ça en fait, je crois. Voilà. Merde. Ok. On recommence. Allez chercher cette clé de mort. Elle est là. Très bien. On va aller la rebalancer là où j'ai été avant. Proprement. Cette fois. Pas comme tout à l'heure. Ah, oh, on voit rien. Voilà. Parfait. On va éviter cette merde là. Vas-y, taupe de moi. Pff, merde. Attends, on va aller la détopiser. Voilà. Gut. Donc le diamant, on l'a. Ok. Donc là, il y a juste à défaire ce P de merde là. Voilà. Là, on va pas s'amuser à lui sauter dessus à cette pute. Nickel. Ok. Attendez. Non, c'est bon. Ah, mais du coup, la clé me sert à rien. Mais la clé me sert à rien, ouais, j'avoue. Ah putain, si. Mais comment on fait pour aller là? Merde. Je voulais revenir en arrière. On le refait. Merde. Putain, je voulais revenir en arrière. J'ai inversé gauche et droite. Connerie. Attendez, on recommence. Il faut que j'élimine les piranhas. Vas-y, tu sais quoi? On la refait. On s'en bat les couilles. De toute façon, le jeu dure 6 heures. Donc c'est bon. Vous allez pas me faire chier. Si vous êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Ok. On va éliminer ces plantes piranhas à la merde. Attends, déjà, là y a rien. D'accord. Bon, donc ça c'est bon. Ok. On va essayer d'éliminer ces plantes piranhas de mort. Donc déjà la clé, on va refaire le truc de la clé. De manière propre et efficace. N'est-ce pas? Donc on va essayer d'éliminer ces plantes pyrénées de merde. Attends, déjà je vois rien. Voilà. Bon. Faut que j'élimine ces plantes pyrénées à la merde. Donc déjà on va essayer de prendre les boulettes. Déjà celle-là j'arrive pas, pourquoi? Mais... Putain, mais elle peut pas tirer droite en fait, cette connasse. Ah! Attendez, on va essayer de lui sauter sur la tête si j'y arrive. Yes! C'est passé. Voilà! Pas difficile, bordel de cul. Salope! Faut faire pareil avec celle-là, mais j'arrive pas. Attendez. Essayez de faire ça de manière propre et efficace. Mais... Salope! Merde! Mais putain, mais pourquoi j'arrive pas? Merde, oh, ok. Merde! Faites tomber! On la relance, je m'en fous. Je veux finir ce monde à 100%, je m'en bats les couilles. Je veux le coffre. Même s'il y a rien dedans, je m'en fous. Je m'en fous. Cette clé de merde, elle me fait chier. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est moi qui joue comme un pied, c'est pas grave. C'est toi qui est nul aussi là. Quelle idée de foutre des femmes dans un jeu. Bien sûr, je rigole. Hein. Encore porter plainte après. Pour ces conneries. Bon. Elle, on peut l'avoir en sautant dessus. Donc, bat les couilles, on lui saute dessus. Ici, bitch. Yes. Celle-là, c'est bon. Mais non, c'est l'autre pute. Ah merde, attends. Ah, mais du coup, non. Attends. On va chercher un de ces. Voilà. Viens ici, salope. Viens ici. On l'a eu. Oh yeah. Après, il y a la dernière qui s'est activée. Ok. Très bien. Soit. Et du coup.
Alors attendez, hein. Du coup, faut que je saute dessus. Ouais, c'est ça. Oui! Parfaitement géré ça. Mais! Comment on fait pour aller à cette clé de merde? Par là. Alors attends. On va pas se replanter. On va pas se replanter. Ah oui, c'est la piranha que j'ai buté tout à l'heure, mais bien sûr. Comme ça. Tac. Tac. Mais j'ai pas la clé. Mais... Oh mais c'est une blague maintenant. Oh! Mais putain, mais... Vous avez décidé de me faire chier, c'est pas possible. Ici avec ta clé de mort là. Voilà, on y va direct, on va pas se faire chier, voilà. Impeccable. Parfait. Et d'ailleurs c'est le dernier diamant en fait au final. Ah bah ouais, donc de toute façon en fait il me le fallait. Ah bah oui. Je l'avais pas ce connard. Tout à fait. Let's go. Et bah voilà. On a chié de ce monde. Ras le cul. Donc là, du coup, ouais, c'est bon. Non! Oh! Putain! Caméra de mort! On voit rien en fait. Voilà. Là, je fais juste un tout droit et peut-être! Ok. Donc, on finit le stage avec 3 diamants plus. Les piranhas rampantes éliminées. Nickel. Pas bio les forces. Et on a affaire au rail du crépuscule dans ce livret numéro 3. Let's go. Un chariot de navet. Ah putain, mais c'est nouveau un truc de lançage de merde là. Attendez. Attends, merde, j'ai raté un truc, putain. Merde! Ça va trop vite! Piranha de merde, elles sont où ces salopes? Attendez, je suis sûr que je vais rater un truc de nouveau. Merde, y a un truc là-bas! Attendez! Putain, mais ça va trop vite! Merde! Pou! Viens ici, salaud! Attendez, attendez, je suis sûr que j'ai raté un truc. Oh! Il est là! Je l'ai eu! C'est le deuxième! Merde, je savais, j'en ai raté un! Putain! Là-haut! Oh, je l'ai eu! C'était le premier! Putain! Le pot là! Pot du cul! Allez! Et le troisième, il est où? Le pot là! Il est là! Yes! On les a tous eus! Putain, on a eu du cul! Oh, c'était dur! Ah, mais on pouvait changer de vue! C'est une blague! Le fou de la gueule! Je les ai tous eus! C'est tellement con comme jeu, mais c'est trop stressant! Je suis stressé quoi! Un truc de fou quoi! Je fais des boulots, on m'a dit qu'il était moins stressant que ça, quoi. Et pourtant, je suis rien en cuisine. Merde! Bon, 140 pièces, ça, non, clairement pas. Et on s'en fout. L'objectif, c'est les diamants. Bah, les couilles. Panneau, panette! Comme en Suisse. Avec un panneau bleu où il n'y a rien écrit, messieurs, dames. Rien! Un panneau bleu et tu te démerdes. Bienvenue à Pandora. Alors, en même temps, Pandora, c'est un bijou et c'est en Suisse. C'est logique. C'est pas faux, en fait. Ils sont pas si cons que ça, ces Suisses de merde. Alors, attends. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je m'en souviens de ça. Tu te pètes la gueule à tout instant. Alors, attends. Je m'en souviens de cette merde. Wow! Ah ouais, parce qu'il y a ces enculés en bas, en plus. Oh! Ah bah ben voilà. C'est chose faite. Merde! Ah bah ben, bien sûr! Oh putain, mais je suis dans le caca de fou, là! Il fonçait dessus là, voilà, nickel. Venez ici, bande de merde. Ok. Ah bah d'accord. Ok. C'était très utile ce que t'as fait là. Fonce-lui dessus, putain. Nickel, ils les ont dégommés. Oh putain, il y a un dernier là. Mec, fonce dans ce truc. Mais putain. Voilà, nickel, encore un. Yes. Qu'est-ce qu'ils foutent? Merde. Ah vas-y, on se casse, ils m'ont saoulé. Il y a de l'argent. C'est bon. Cassez-vous, grosse merde.
Vas-y, mais comment on fait maintenant? Attends. Je peux aller. Non, je peux pas. Là, oui. Là, non. D'accord. Ah, on peut aller chercher le diamant. Let's go! Yes! Maintenant, il faut que j'aille chercher le P. Au profond de moi-même, bien sûr. Et ça fait quoi ça? Ah, ça inverse les. Très bien. D'accord. J'ai tout compris, bien sûr. Cette logique incroyable. Alors attends, comment on fait maintenant? On est foutu là. Attends, je peux aller à gauche. Attends, on va faire gaffe parce que je suis sûr qu'à la dernière seconde ça va se. Voilà. Ah non, ça a dérapé en fait. Ok. Et eh ben c'est gagné. Yes. Patate. C'était un jeu terminé. Et on gagne un pot de sauce. Yes. Garde à bout tous éliminés. Ah, ils s'appellent comme ça ces connards. Ah non, ça c'est les fantômes. Mais les espèces de tortanques, je sais pas comment ils s'appellent. J'arrive pas à voir le nom de ces trous du cul. Pourtant je connais Nintendo quoi, merde. Tu les vois pas souvent eux. Dans les jeux Mario, tu les vois beaucoup. Bah tu verras. Ah si, j'ai déjà vu ailleurs, je crois. Enfin, dans un jeu Mario, je parle. Là, c'est Captain Toad, donc c'est pas un jeu Mario. Mais dans les jeux Mario, tu les vois souvent, je crois. Ils sont dans les Mario Party, mais pas tous. J'arrive pas à mettre le nom sur ce connard là. Putain, je sais pas comment il s'appelle ce trou du cul. N'hésitez pas à le dire en commentaire, tiens, ça me ferait plaisir de voir. Bon, attends, de toute façon, je vais aller chercher ce soir. Mais n'hésitez quand même pas à me le dire. Parce qu'il y aura plein de gens, je pense, qui vont se poser la question. Il y a des personnages que tu vois pas souvent en vrai. Ah putain, j'ai nouveau refait la pioche. Bah les couilles. Let's go. Ah, mais vas-y, mais. Je fais tellement de la merde. Je fais de la. Ouais, bah super. J'ai fait de la merde. J'ai pas compris tout de suite en fait comment ça marchait. Ça va tellement vite ce marteau de mort. C'est pas le marteau de Thor, c'est le marteau de mort. Vous aurez bien compris. Donc, en avant marche Toadette! Trempette au parc aquatique. Ça j'adore. Les mondes aquatiques, j'adore. C'est trop bien. Here we go! Là on se croirait dans. Comment ça s'appelle cette merde? Mario. Mario, je sais plus quoi là. Putain, le nom du Mario là! Pas Maker. Je sais plus, bref, j'y ai aussi joué. Mais il est plus sur la chaîne d'ailleurs. Tiens, oui, c'est vrai ça. Je sais plus comment il s'appelle ce Mario de con, mais il était pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais refaire un jour un jeu. Là, il y a le banc de sauvegarde, mais clairement, il faut que je refasse ce jeu. Après, il est long quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent ces toads de con là? Non, c'est Gomba, pardon. Gomba de mort là. Cassez-vous, bande de cons. J'adore les univers aquatiques. Il y en a plein dans ce Mario Park. Le nom, putain, j'arrive plus à. J'arrive plus à mettre le nom dessus, quoi! Comment ça se fait? Putain, je vais devoir consulter un neurologue, c'est pas possible. Problème de mémoire, moi. Truc de fou, quand même. Alors, attends, comment on fait pour avoir ce champignon doré? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée, messieurs, dames. On trouvera bien la solution, vous inquiétez pas. Alors attends. Donc là on va aller sur le P. Normalement c'est un libère-l'eau. Ah non, ça rajoute de l'eau, d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah super quoi. Ah non, du coup c'est bien. Ah non, c'est pas bien. Ah si, attends. Non, attends, on va voir, on va voir. Ah bah non, en fait c'est de la merde. Un peu. Un peu. Il faut que je vois comment faire pour avoir les champignons dorés. J'en sais rien du tout. Attends, mais il y a deux. Ah, il y avait deux cases. C'est bon, j'ai compris. En fait, faut que j'aille à gauche maintenant. Voilà! Parfait. C'est tout con en fait. Fallait le savoir. Du coup, il me manque. Ah ouais, mais merde, du coup, je peux plus y aller. Ah bah si. Attends. Attendez. Il suffit d'aller dans l'eau, bien sûr. Et ben voilà, parfait. On va avoir affaire au chip-chip. J'adore ces mondes aquatiques, ils sont trop forts. Ils sont toujours trop bien faits. Puis même, ça va jusqu'à la musique, quoi. C'est, enfin, t'as la musique en fond. Enfin, ils ont pensé à tout, quoi. Et c'est vraiment trop bien fait, quoi. Et là, pour le coup, le graphisme, tu t'en bats les couilles, en fait. Effectivement, il faut quand même des points de détail, comme dirait Jean-Marie Le Pen. Mais, t'as pas besoin d'un graphisme de fou, quoi.
Ce qui est important, c'est le gameplay, quoi. Le graphisme son. Bah, les couilles! Alors, attends, maintenant. Ouais. Alors maintenant, on va faire ça comme ça. Par contre, ce champignon d'or, je l'ai pas. Ah, je sais comment. Ah non, je sais pas comment faire. Attends, on va essayer un truc. Je garantis pas que ça va marcher. Ah, ça marche pas en fait. Ah merde. Non, ça marchera pas. Putain, ça me fait chier. Comment on fait pour avoir ce champignon d'or de merde? J'en sais rien. Je sais pas. C'est la bonne question du jour, ça. Attends. Ah non, ben non. Bon, ah bon, c'est pas grave. Écoutez, on s'en fout. C'est pas très important. Mais je vais quand même. Merde! Ah non, on peut pas en fait. Ouais, non, on peut pas. Je me suis dit peut-être qu'en sautant de cette manière-là, mais non. Ok. Eh ben, c'est pas grave. On va pas se faire chier. Plus longtemps. On va aller taper les gombasses. Ah, on va aller chercher l'argent surtout. Argent, mon ami! Et regardez les barbotés, ces trous du cul! Quelle bande de chèvres! C'est incroyable, regardez-les! Ils sont lents en plus! Viens ici, trou du cul! Je te bute, fils de pute! Merde, attendez! Ça fait peut-être partie des trucs à voir. Oui! Je pense qu'il y a moyen que ça fasse partie des trucs à voir à la fin. Avoir buté les Gombas barboteurs. Ils sont mignons quand même. J'aimerais bien en avoir un chez moi. Je vais regarder si je peux m'en commander un sur Wish. Un Gomba barboteur vivant. Y a moyen, je vous jure. En Chine, tout est possible. Je vais aller à Nintendo Land, putain!